La Bourse de Paris accentuait son avance vendredi après-midi en s'appuyant notamment sur le secteur bancaire puisque Deutsche Bank a annoncé un rachat de dettes pour un montant maximal d'un peu moins de 5 milliards d'euros. Les contrats sur les indices américains se renforçaient également. Et du coup, eh bien, le CAC 40 dans l'après-midi, vendredi, empochait quelque 1,77% autour des 3965 points. On se rapproche donc des 4000 points. À suivre du côté maintenant des sociétés. Eh bien, Imerys qui a réalisé en 2015 un résultat net par du groupe de 68,4 millions d'euros. Contre 271,6 millions en 2014. Le chiffre d'affaires a lui grimpé de 10,8% à 4,09 milliards d'euros, le tout dans un contexte de recul marqué du marché des céramiques aux États-Unis. Imerys, du coup, vendredi à Paris, eh bien, prenait 1,71% à 52,49 €. Les analyses de l'OPSA ont malgré tout un avis négatif, vous le voyez, sur cette valeur. Ubisoft, ensuite, qui a abaissé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre. L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft, qui anticipe désormais un résultat opérationnel hors éléments exceptionnels d'environ 150 millions d'euros contre au moins 200 millions auparavant. De quoi voir le titre d'Ubisoft eh bien, s'effondrer vendredi après-midi de plus de 6,7% à 19,48 €. Titre qui recueille un avis négatif de la part des analystes de l'OPSA. Pour se quitter, eh bien, place à la recommandation de Trading Central. Il s'agit ce lundi de Danone. Danone dont le titre s'est stabilisé à l'approche du support majeur des 57,45 €. De son côté, le RSI rebondit au-dessus d'une zone importante de support. Ainsi, tant que les 57,45 € ne sont pas enfoncés, eh bien, une phase de rebond est attendue en direction de 62,10 €, puis 63,70 €. Intéressé par cette valeur, eh bien découvrons ensemble la stratégie pour donc jouer à Danone avec l'achat du Warrant Call à 930 € d'UniCredit. Prix d'exercice 60 €, date de maturité le 21 septembre 2016. Pour Trading Central en direct ici depuis notre studio, tout juste à côté de la Bourse de New York à Wall Street. C'était Sébastien Giron, excellente fin de journée à toutes et tous, à très bientôt.